For 10,000 years, Maiev Shadowsong served as Illidan's jailer, pursuing him across Azeroth and Outland until she defeated him at the Black Temple. But the hunt had changed her. Unable to rejoin Night Elf society, Maiev reunited with her fellow wardens to continue her Eternal Watch. Fortunately for her, the Nexus has no shortage of dangerous menaces in need of imprisonment or execution. Let the hunt begin. Maiev is a melee assassin who excels at expertly dodging her enemies' attacks while preventing their escape. Maiev's trait, Vault of the Wardens, allows her to vault into the air, becoming temporarily immune to damage and unable to be hit by area of effect attacks. With the right timing, she can bait her enemies into wasting powerful abilities. Fan of Knives is Maiev's first offensive ability. She throws out several knives in a crescent pattern, hitting all enemies in the targeted area. If she hits at least two enemy heroes, the ability's cooldown is drastically reduced, allowing her to make short work of clustered enemies. Maiev's second ability is Umbral Bind. When activated, Maiev's next basic attack becomes a large cleave. All enemy heroes hit by the attack are tethered to Maiev for a few seconds. If a tethered hero strays too far, they are instantly pulled towards her. Umbral Bind can prevent enemies from escaping or pull them into a deadly situation. Spirit of Vengeance doubles as an attack and a movement ability. Maiev sends out a shadow of herself in the target direction, damaging all enemies it hits. Upon reaching its destination, the shadow pauses for a moment, then travels back to the point where the ability was cast. While the shadow is active, this ability changes to Blink, which Maiev can activate to teleport to her shadow's current location, giving her an effective tool for engaging and escaping. Maiev's first heroic ability is Containment Disc. Maiev throws a glaive in the target direction, hitting the first enemy hero in its path. For a short time afterward, Maiev can reactivate this ability to temporarily place the enemy hero in time stop and remove their vision. Taking out a critical member of the enemy team at the right time can turn the tide of battle. Warden's Cage offers Maiev an additional way to rein in several enemies at once. When activated, a ring of Warden avatars surrounds her location. Once they activate, they push any enemy heroes who get too close to them to the center of the ring. Each avatar created by Warden's Cage disappears once it comes in contact with an enemy hero, creating a gap in the ring and an avenue of escape for the enemy team. Creative use of Warden's Cage can greatly restrict the enemy team's movement and force encounters that they would rather avoid. Maiev is at her most effective when the enemy team is clumped together. Watch for moments when you can capitalize on your enemy's positioning and use her trait to dodge their counterattacks. Maiev is particularly strong against high mobility heroes like Genji. Team up with heroes who have area-based CC, like Malfurion and ETC, to take full advantage of Maiev's strengths. When playing against Maiev, wait until she uses Vault of the Wardens to unleash your heavy-hitting attacks. Remember to keep your distance from your teammates to prevent her from tethering you all together and punishing you with Fan of Knives. Heroes who can evade incoming attacks or become unstoppable, such as Sylvanas with her Haunting Wave, can ignore the effects of Maiev's Umbral Bind and cause her to waste it. If you get tethered to Maiev, stay within range of her to avoid being pulled. At level 1, the Nisha's Memento talent causes Maiev's basic attacks to bounce to nearby enemies when activated. Nisha's Memento has no cooldown, but can only be recharged by hitting multiple enemy heroes with Fan of Knives. At level 20, Maiev can choose one of three Shadow Orb talents that also give her new activatable abilities. Vengeance resets the cooldown on Spirit of Vengeance. Huntress increases Maiev's attack and movement speeds, and Shadow Strike reduces an enemy hero's movement speed and armor. Like Nisha's Memento, these abilities also have no cooldown and are recharged by meeting specific requirements. Maiev is an unrelenting avatar of vengeance and a hunter who always catches her prey.
prevent your enemies from escaping, and bring them to justice. Make sure to leave us a comment or subscribe to Heroes of the Storm around the web, and we'll see you in the Nexus. Et bonjour à tous. Honnêtement, personnage que je trouve super intéressant. Vous venez de le voir, Maiev qui du coup rejoint le Nexus et un kit assez intéressant puisque au final on avait un peu peur que ça ressemble à Azeratul. Au final, ça ressemble un petit peu quand même de loin, mais je suis assez content. Par rapport à ce que j'imaginais, je suis assez content. J'ai bien vu le truc, une espèce d'assassin un peu plus distance qu'un Zeratul, mais avec. Par contre, je m'attendais pas à autant de contrôle dans son kit. Honnêtement, je m'attendais pas à autant de contrôle. Mais à côté de ça, un personnage qui va faire énormément de dégâts de zone, un peu plus de dégâts de zone. Et on commence par le passif, mais super intéressant. Hein, le passif est vraiment vraiment très intéressant. L'espèce d'esquive qui vous donne une invulnérabilité insensée, invulnérabilité pendant un court laps de temps, c'est assez excellent en termes de skill cap, hein, ce qui permet au personnage d'être, entre les mains d'un très bon joueur, permet de faire des choses incroyables, on va pas se mentir. Alors, il y a beaucoup de questions aussi, parce que, encore une fois, cette vidéo là, c'est vraiment pour parler un petit peu rapidement du personnage. Je vais faire en sorte qu'elle dure pas trop longtemps, mais est-ce qu'on peut passer à travers les murs? Est-ce que c'est juste sur place? Il y a pas mal de petites questions, parce que c'est vrai qu'elle saute sur place, donc j'imagine qu'elle pourra pas sauter au-dessus, à travers les murs, mais c'est quand même super intéressant sur le papier. Regardez, on le voit, mais sur un Colossus par exemple, c'est quand même super sympa. Donc à voir si elle peut sauter, c'est une espèce de dash, ou si vraiment c'est un saut sur place. J'ai l'impression que c'est un saut sur place, mais ça a l'air plutôt, plutôt réactif, donc c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Passif déjà très très intéressant. Alors le A qui ressemble au final à un Q-spell de Zeratul, mais beaucoup plus en approche de cône. J'aime bien le principe qui fait que plus il y a de monde, plus elle réduit le CD. C'est quand même vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Réduction de CD si elle touche. C'est pas mal. Hein. Le CD est quand même relativement court. On va pas se mentir, le CD est quand même relativement court. Mais du coup, on voit une réduction de CD si jamais elle touche plus de monde. Alors c'est marqué que deux personnes, donc je sais pas s'il y a une grosse... Je pense pas que ce soit une réduction de CD en fonction du nombre d'ennemis touchés, mais juste au-dessus de deux. Le Z qui est très intéressant, qui ramène l'ennemi sur Maiev. Ça peut créer des super synergies honnêtement. On peut imaginer des combos, imaginons par exemple, je sais pas, Firebat, Maiev, la combustion, hop, les gars revenez dedans et boum, ça peut exploser. Plein de combos comme ça, séismeutral, boum, allez hop, vous restez là. Enfin, il peut y avoir plein de petits trucs sympas. Je trouve. Alors on le voit avec l'ultime de D.Va par exemple. Je trouve ça très intéressant. Mais même un Pogo par exemple, un Pogo de TC, Pogo ETC, boum, on ramène tout le monde dedans. Ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment sympa. A voir si ça touche forcément, parce que au départ on le voit là. Ouais, c'est une auto-attaque de zone, donc c'est intéressant de voir si tu peux vraiment toucher tout le monde ou si ça a une aire d'effet un petit peu courte. À voir. J'aime bien l'idée. Alors, le E, honnêtement, l'esprit de vengeance, je m'attendais à quelque chose de plus réactif, on va dire, un blink vraiment à la Zeratul. Au final, c'est un petit peu plus comme un Sylvanas. Je suis un peu déçu de ce sort, honnêtement, mais il y a moyen de faire des choses sympas, comme on le voit. Il n'est pas obligé de blink instant. Je trouve que c'est pas très réactif. Je m'attendais à quelque chose de très sanguin, enfin, blink, push, hop, on repart. Après, ça permet d'autres choses. Ça permet de bait aussi, donc ça peut être cool. Mais je sais pas, je m'attendais aussi à ce que du coup ça sera comme Sylvanas, si elle sera insensible ou pas. C'est une question. On voit pas l'insensible. Je pense pas qu'elle soit insensible. À voir. Ouais, c'est comme Sylvanas à ce niveau-là. Il faut voir ce que ça donne. Bon, le premier ult disque de confinement, bah, c'est un cocon, mais pour un assassin cac, hein, donc on va pas se mentir, ça a l'air sympa. Faut voir la durée à laquelle ça pète, mais ça peut être très intéressant. Pour mieux assassiner, voilà, vous êtes en 1v2, vous pouvez peut-être réussir à 1v1, faut voir après les auto-attaques, les dégâts d'auto, etc. de Maiev. Mais sur le papier, c'est quand même intéressant, voilà, par exemple, pour bloquer le support, et on attaque, bon, on attaque pas ETC, du coup on attaque Vala. mais le principe est intéressant. Et l'autre ult est cool aussi, j'aime bien l'autre ult, un petit peu le côté secte des gardiennes, où vous êtes enfermé avec elle et toute son équipe, encore une fois. Je m'attendais limite à ce que ça bloque toutes les sorties, au final.
final, est-ce qu'on peut dash à travers, par exemple? Ça, c'est une grosse question, parce que une lemming qui E out, est-ce qu'elle passe à travers ça, ou est-ce que justement ça bloque toutes les TP, et donc même si tu E out, t'es quand même retenu et t'es ramené? Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que l'ultime va être quand même, au niveau compétitif, hein, l'ultime peut être faible, celui qui ramène, si jamais les gens peuvent blink out. Si jamais tu peux pas blink out, ça enferme en fait vraiment. Il y a moyen que ce soit très sympa, mais j'ai un peu peur. A ring of warden avatars surrounds her location. Et j'aime beaucoup le fait que si les mecs essayent de sortir, sont ramenés. T'as quand même des combos très sympas à faire. Hein. Each avatar created by Warden's cage disappears. J'aime bien. J'aime vraiment, vraiment l'idée est intéressante. C'est assez novateur à ce niveau-là. C'est assez novateur. C'est, en même temps, c'est une gardienne. Hein. On veut un truc où elle reste, elle enferme quelqu'un. Je trouve ça intéressant. Ouais, les combos, bah, on voit avec Kerrigan, mais avec tout ce qui est dégâts de zone, hein, peut être très intéressant. Bon, Maiev est cool. Là, on voit son apparence. Après, elle a l'apparence façon plus World of Warcraft, mais pour ceux qui crieraient à l'hérésie, dans... c'est vrai qu'on n'a pas l'apparence avec le bas de sa, le bas de son visage. Pour la petite anecdote, en fait, dans Warcraft 3, il y avait déjà les concept art de la gardienne et il n'y avait pas le bas du visage. Donc, c'est pas choquant plus que ça. Et j'espère qu'elle aura un skin un peu classique Warcraft 3. Donc là, ouais, on voit, bon, c'est pas très grave. Alors, ils mettent que contre les héros mobiles comme Genji et tout, c'est cool, c'est fort. Oui et non, parce que faut voir un petit peu l'activation du Z, il y a quand même une portée max, donc Genji peut en sortir. Faut voir aussi sur le blink, la vitesse vraiment d'exécution à laquelle on peut dash. La portée du Q-spell, du coup, c'est marqué, oui, c'est fort contre Genji, mais un personnage avec beaucoup de mobilité, il pourra quand même la bloquer, j'ai envie de dire. Donc, faut voir. Par exemple, contre Tracer, par contre, c'est très intéressant. La bombe de Tracer, elle saute sur place et il n'y a pas de. Il faut voir le CD, mais encore une fois, toutes les stats, etc., sont pas expliquées, mais ça peut être très cool. Ouais, la réduction CD semble très intéressante avec le Q-spell. Voilà, le salto des gardiens va être vraiment, vraiment indispensable dans le kit. To prevent her from tethering you all together and punishing you with Phantom Knights. C'est pas mal le principe. Mais vous voyez, Zeradul par exemple là, qui est sorti de la zone et qui est re-rentré, ça peut être compliqué. Donc faut voir la vitesse d'exécution, parce que vous voyez, un personnage qui a beaucoup de mobilité, le Z. Je veux dire, un personnage qui a beaucoup de mobilité, une Tracer à blink out et c'est fini en fait. Genre, c'est pour ça que c'est rare que je sois. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas été pas d'accord avec un spotlight, je trouve. Enfin, le spotlight nous vend quelque chose d'intéressant, hein, je dis pas le contraire, le perso est cool, mais fort contre les persos mobilité, oui et non. Oui et non. Hein, elle me semble aussi parfois peut-être un peu faible au niveau mobilité, faut voir, parce qu'elle a pas tant de contrôle que ça. Au final, elle a pas de slow, etc. Mais je pense qu'avec les talents, par exemple, le Z pourra slow une fois le mec arrivé et tout. Il y a moyen, à mon avis, d'améliorer les contrôles, mais c'est intéressant sur le papier, c'est pas mal. Pas de dots. Faut voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas. C'est vrai que ce passif. Donc, souvenir de Naisha, hein, Naisha Warcraft 3, Frozen Throne, évidemment, Naisha, le bras droit de Maiev. Alors, par contre, je me rappelle plus ce que ça faisait exactement, le petit Naisha. Bon, ça, oui, hop. Dans souvenir de Naisha. C'est faire en sorte que les auto-attaques soient de zone, c'est intéressant parce que c'est pas marqué, c'est les ennemis proches, mais après c'est le spotlight, donc je pense qu'il faut faire attention. Est-ce que ça marche sur les en PvE ou pas? Ça pourrait lui amener un petit peu de dépêche, donc à voir, mais ça peut être intéressant pour avoir un côté un peu dégâts de zone. Le personnage a quand même beaucoup plus de dégâts de zone, donc ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Donc il parle des niveaux 1, mais on a pas trop les autres. Alors le 20 a l'air intéressant puisque ça active to reset Spirit Vengeance cooldown, ça peut être vraiment fort. C'est une espèce de blink en fait personnalisé pour Maiev. Celui qui donne de la move speed, de la vitesse d'attaque, ça peut être très intéressant, bien entendu. Alors de ce qu'on voit, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de quêtes sur le Q-spell. On voit une quête sur le Q-spell ici, une quête, on voit un autre Q-spell et Q-spell, et des talents. Alors ça, c'est des nouveaux talents, super, hein, interaction entre le Q-spell visiblement, et j'ai l'impression que c'est le E, donc peut-être que le E réduit le temps de recharge du Q-spell. Enfin, il y a des choses intéressantes, et activer pour slow et réduire l'armure. Ça va être très intéressant aussi. Je pense que le Shadow Orb Vengeance va être quand même très 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 intéressant.
Vengeance resets the cooldown on Spirit of Vengeance. Voilà, ça permet de faire des plays quand même assez intéressants. Mayev's attack and movement speeds, and Shadow Strike reduces an enemy hero's movement speed and armor. Donc le Z qui permet de faire des dégâts. Il faut voir le dot du Z. J'espère que c'est quand même intéressant. These abilities also have no cooldown and are recharged by meeting specific requirements. J'aime bien, j'aime beaucoup le perso. Faut vraiment attester, mais je pense qu'il a un gros gros skill cap et le perso risque d'être très très intéressant, honnêtement, Mayev. Hâte de l'avoir sur le PTR, donc normalement ça devrait arriver dès la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais sur le papier, c'est un assassin avec beaucoup de potentiel, un skill cap assez élevé, donc plutôt intéressant. Et au passage, j'aime beaucoup le petit skin qui a été montré, puisqu'il semblerait que ce soit un skin uchronique, du coup un skin pour Diablo, c'est-à-dire Mayev, la chasseuse de démons. Donc ça peut être très intéressant. J'aime bien l'idée. J'espère qu'ils feront pas mal de skins à Mayev, notamment un skin prêtresse des lunes, étant donné que on a Tyrande Gardienne, on a Malfurion, Chando Illidan et Malfurion le traître. Donc pour ce carré-là, il manque normalement Tyrande, prêtresse des lunes, donc j'espère qu'ils le sortiront. Et on pourrait imaginer, je sais, pour les fans de WoW, peut-être un skin Felsong, un skin vraiment comme celui de Cordana, donc un skin un peu démoniaque pour Mayev, ça pourrait être intéressant. En tout cas, l'idée de la chasseuse de démons par rapport au track d'Idan, etc., façon Diablo, je trouve l'idée très très intéressante. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos impressions concernant Mayev. Est-ce que du coup vous êtes hype par ce spotlight? Moi personnellement, j'ai hâte de la tester, faut voir les chiffres, etc. Forcément, un assassin, faut voir les chiffres, on peut moins dire ouais, mais sur le papier quand même les capacités sont super intéressantes et pas trop en copie de Zeratul, donc c'est vachement sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On se dit n'hésitez pas bien sûr à follow, liker tous les réseaux sociaux, le YouTube. Moi je fais plein de bisous et à bientôt, à plus dans le Nexus.